Et bien salut à tous et à toutes, c'est Hacking Console. Aujourd'hui on se retrouve juste avant 6 jours de Noël. Donc un gros avant de Noël tout simplement. Donc je pense que ce sera ma dernière vidéo. D'ailleurs je pense que c'est ma dernière vidéo avant Noël. Peut-être que j'en ferai une après Noël ou dans le mois de janvier, je sais pas, je verrai. Mais cette vidéo consiste à créer son compte StarPass, c'est quand même important pour certaines personnes. Donc tout d'abord il faut que vous allez dans la description et vous aurez deux liens importants. Donc pour créer un compte Hotmail, vous mettez votre prénom, votre nom, votre adresse email, vous avez trois choix. Créer votre mot de passe, vous leur tapez votre code postal, la date de naissance si vous êtes un homme ou une femme, votre numéro de téléphone, votre adresse de messagerie tout court, vous retapez le code tout simplement. Ensuite vous cochez la case et vous mettez créer un compte. Une fois que ceci fait, vous allez dans le deuxième lien dans la description et puis vous allez commencer à partir du nom, du prénom, de l'adresse que vous avez écrit Hotmail, ben vous la remettez ici deux fois, votre numéro de téléphone, votre date de naissance et vous retapez le code. Moi j'ai créé un compte juste avant de commencer la vidéo pour pas perdre de temps. Pour vous créer un moyen de paiement par StarPass, j'irai dans StarPass classique. Voilà, vous mettez votre nom que vous voulez. Voilà, vous mettez n'importe quoi, vous mettez votre prénom ou je sais pas, un nom au pif, votre page URL d'accès. Voilà, vous mettez la même. Tac, votre page URL d'erreur, vous en mettez pas. Votre code test, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parce que vous en aurez pas besoin. Nombre de codes, vous mettez le nom que vous voulez. Pour valider, vous mettez comme vous voulez. Et là, vous mettez je souhaite un prix payé par le client de. Là, vous ferez vos modifications à vous. Vous mettez enregistrer, tout simplement. Donc là, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Vous aurez votre page ici qui va s'afficher normalement. Et là pour vous créer une petite page pour que les personnes aillent sur votre page mais que c'est eux qui payent et puis que c'est vous qui recevez l'argent, vous choisirez, vous aurez 4 choix de thèmes: Dofus, Minecraft, Lobbyman ou Call of Duty. Par exemple, je pense que je vais prendre le Minecraft, Dofus, Lobbyman. Voilà, vous regarderez par vous même mais moi je prends un mec Minecraft. Le nom du site, je vais mettre ça. Votre description, faut qu'il y a 50 caractères minimum, donc moi je mets plein de z, mais ça on s'en fiche, c'est pas bien important. Voilà, la catégorie, vous mettez ce que vous voulez, je mets site service web. À votre pseudo, vous mettez celui que vous voulez. Moi je vais mettre plein de, peu importe. Là votre adresse, vous mettez votre adresse, une adresse Hotmail, la même que vous avez créée. Voilà, et vous mettez créer un compte de moins de 5 €. Là, vous mettez valider. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous allez remettre votre code de test que vous avez créé juste avant. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est facile. Une fois que ceci est fait, vous mettez enregistrer. Et là, vous aurez normalement qu'une seule machine. Parce que moi, j'en avais créé un juste avant. Et vous mettez visualiser. C'est pour voir votre page. Donc moi j'ai plein de z, et là on attend que ça charge. Voilà, vous aurez vous pourrez donner ça à votre client, c'est celui-ci le nom pour aller dessus. Excusez-moi, il y a plein de pages. Et en gros vous aurez ils choisiront ce qu'ils veulent par téléphone, SMS, internet plus mobile, cœur bancaire, PayPal, une sorte. Ils choisiront leur pays qu'ils veulent. Voilà, enfin bref, ils mettront leur pseudo PS3 pour leur connaître ou Skype ou je sais pas quoi, et mettront le code ou qu'ils auront appelé par téléphone, SMS, internet ou l'option qu'ils auront choisi, ce qui est validé. S'ils veulent vous contacter, ils cliquent là, puis ils auront automatiquement votre adresse email ou contacter StarPass. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez, et moi je vous dis au mois de janvier. Salut, ciao.